Bonsoir tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tale of Berseria. Donc c'est parti. La dernière fois nous avons commencé le temple... Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Comment s'appelle-t-il? Oups. C'est pas l'heure de faire la sieste, Helvète. Ah voilà, le temple de Palamides. On a commencé, donc j'ai trouvé la suite. Normalement on n'aura aucun mal à le finir. Donc il y a un coffre de Minouz, on peut l'acheter. Hop, c'est parti. Vous avez trois Minouz. D'accord, ça marche. Ce joueur est accroché dans le monolithe. Pour retirer, hop, voilà. Et du coup, on l'utilise direct pour ça. Voyons voir où est-ce qu'il va s'attirer, mais je crois ça. Ouh. Ouais. Ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on les a tous ou pas? Ah, merde. On va voir. Ah non, peut-être pas avec ça. C'est vrai. Voilà, il y a lui activé. Normalement, je crois que les 7 sont activés. Je crois. On va voir. Ah, quoique, peut-être pas. Peut-être pas les 7. Je crois qu'il va en manquer un. What? C'est par là? Ah non, voilà, il m'en manque un. C'est bien ce que je me disais. Et je sais exactement où il est, le 1. Le seul. Donc on va passer par là. Ça ira plus vite. Tac, on va utiliser le téléporteur. Donc le dernier qui manque, les amis, c'est celui-là au centre. Donc c'est lui qu'on doit activer, et du coup on va pouvoir utiliser le téléporteur et on pourra ouvrir cette maudite porte. Décidément, nous aura bien embêté cette porte. Hop. Désactivez le mécanisme, vous sentez que le mana commence à envahir le temple, il semblerait que vous ayez libéré une énergie scellée. En gros la porte. Parfait. En fait, je l'avais même pas vu, les amis, c'est que là où il manquait l'interrupteur activé, et ben comme vous l'avez vu, il fallait casser le mur. Mais j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y a une fissure. Moi, ça paraissait tellement logique. Ah. J'ai pas fait attention. Allez. Du coup, on a fini avec ça. Let's go. Voyons voir ce qu'il y a. Bonjour. Ah ouais, le fameux Therion. Excellent. J'ai d'amphibole. Je vais regarder ça. Ce le Therion doit très certainement se trouver là. Ouais. Oh là. Le mieux encore c'est pour Aizen. Et moins d'attaque. Non, je vais rester sur mes bases. Même s'il y a quand même pas mal de défense. Oh. C'est le Therion. やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな。こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、7つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。 どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリーの時と同じ感覚。僕が感じてたのは、地脈点だったんだ。さて、こいつをどうする?
クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが、生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。Ok, c'est parti. Lui, par contre, il est pas venu là pour rigoler. Quoi ? Il a fait un coup là. Super, bien joué. Il a l'air balèze lui. Il a rien fait. Yes. Là. Ah, là. Ça commence à changer de côté. On commence à l'avoir. Cool. Encore un dernier staff. Bon, ça va, on gère pas mal. Wow! Attention, j'aime pas du tout ça. Parfait. Tiens. Bim. Je vais pouvoir remplacer Eleonore. C'est l'empoisonné. Ah non, elle a zéro, c'est pour ça. Aïe. Tiens. À la traque. Et bim. Putain, j'ai mis une séraclée et il a pas... Il est encore là. Ah ouais, je me rassure. Bim. Et voilà. このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ。今度こそ終わりにしましょう。
クーマがグエマを食べている。まさかモアナ、なんでお母さんはモアナを置いていなくなっちゃったの。モアナが悪い子だから、弱かったから、ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、こんなのって。モアナ頑張って強くなったから、清涼な人が強くしてくれたんだよ。だから帰ってきてよ、お母さん。清涼がモアナを強くした、クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな、じゃあ、あの人は娘を助けようとして。お母さん、お母さん、モアナ寂しいよ、お母さん。救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私が、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。オスカ、清涼は何をしているの。お願い教えて。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいで、この子は例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。ゴーマじゃない、あの人は母親だった。この子のたった一人のお母さん。だとしても強き翼を持つ者は。女の涙には気をつけなさい。お母さん。モアナ。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか。そんな議論をするつもりはない。目的はカノヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。ヘルメット。はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長居は無用だ。僕は
ライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの？私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。Et une de plus. Décidément, notre groupe est de plus en plus grand. Ça continue à avoir une population. Expédition est rentrée. Bien. Du coup, ouais, ce fut un peu long. Ce fut un peu long. Bon. Voilà. Bon, allez. Ça m'étonne que je l'achève pas, Oscar. Hein. Mais bon. On a un gentil démon, nous. On s'en fiche de Oscar. Bien, maintenant, on doit aller où? Retourner voir Grimos au village d'Aria. Bien, c'est parti. C'est parti, alors. Par contre, ça risque d'être un petit peu long. Je peux pas utiliser un... téléporteur des fois. Non, je peux pas. Mazui. Kegare ga tsuyomatte iru. Oh. Hayaku mo eikyou ga de hajimeta yo jana. Sortir du donjon, ça ne m'intéresse pas. Bon, au moins on a fini le donjon, les amis, parfait. Il aura pas été super long, tant mieux. Ça, on peut passer à autre chose. Bon, au moins, un objectif clair, hein, on doit affronter à chaque fois les Terlions. Donc, c'est notre troisième, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça doit être notre troisième. Ou au pire, ils vont encore nous le dire. Hein. Du coup, il faut connaître la prochaine destination, le prochain Terlion où il est. Ah, sortir du donjon, ouais, ça m'intéresse pas. Tant pis, je dois y aller à pied, les amis. J'ai pas le choix. Surtout ça, là. Ça, c'est très long. C'est chiant. Je peux pas courir aussi, ça, c'est dommage. Bon, du coup, on verra ce que cette petite fille fera dans notre groupe. J'ai l'impression qu'à la fin de l'aventure, on va récupérer tous les terrions avec nous. Se rappelez-vous, l'insecte, on l'a pris avec nous. On l'a toujours, je crois. Et le premier, je sais plus. Je sais plus à quoi il ressemble. Mais il me semble que l'insecte, c'était pas le premier terrion, quand même. Non, c'est pas vrai. Il est beau quand même, le ciel. Moi j'aime bien. Beau ciel. Assez réaliste, je trouve. Ça va encore. Bon. On est presque ou pas? Encore. Tintin. Ah cool. Je récupère quelques pierres, parfait. Parce que là, j'en ai plus des masses, donc il va en falloir. Au moins 200, ça serait bien. Hop. Casse-toi. J'ai pas envie d'attraper la gerbe. Ah.
Hop. Ah. Ah non, ici c'est pour aller de l'autre côté. Putain, c'est con, seulement je pourrais me barrer de ce lieu là. Il est long, je trouve. Allez, dis-moi que c'est la fin. Oh là 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 là. Hop, ouais. Ok, 92, c'est pas mal, ça je vais le prendre. 106. Plein de pierres à récupérer, ça c'est bien. Tac, autant récupérer, hein. Ça, prochain coffre de minus, je serai prêt. Nickel. Bon, je crois que là on est arrivé, non? T'as toujours pas? Merde, j'aurais dû prendre le téléporteur alors. Ah, je suis con. C'est où ce tout gros en bas? Ah putain, c'est un vrai labyrinthe. Oh là là! C'est un labyrinthe. Un démon code rouge. Génial. Je suis sûr qu'avec un démon code rouge, je me fais tuer en un coup. Casse-toi. Ça y est, quand même. Wow. Ça y est, on y est presque. On n'est plus très loin. C'est combien de temps? 23 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont ? グリモネさん、どうしたんじゃ？解読で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ。何？あの体から出てるのは？ 汚れじゃ。こりゃ限界じゃのう。ゴーマ病。宿屋の人まで突然どうして？ゴーマ化だ。汚れが溢れた。 村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは
ゴーマとは一体何なのです。まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマがタイマシどもを足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。Ouais, là, les exercices, on s'amusait. Hein. Retournez au Vaneltia, ok, Dizzlt. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode de Tale of Berseria. Merci à regarder. Bye, tout le monde.